ici Yakipon pour une nouvelle rotation des champions gratuits de League of Legends. Et aujourd'hui, on commence de suite avec la lettre K, Karthus, Lich. Karthus se joue en tant qu'AP Carry. Il se joue mid et je vais changer un petit peu mon mode de fonctionnement. Au lieu d'y aller dans le tas et de mourir de suite, non, survivez un peu en fait, j'ai oublié de vous le dire. Parce qu'on m'a dit, oui, franchement, moi je me suicide, je sers à rien. Ouais, désolé en fait. Je pensais que c'était un peu normal, mais bon. Par contre, tout ce que je vous ai dit avant, ben, c'est bon, quoi. C'est-à-dire, vous gardez vos items bien AP et un petit peu tanky, et puis vous faites des murs, vous appuyez sur A, vous faites votre zone pour pouvoir maximiser vos dégâts, et surtout, dès que quelqu'un est dans la merde, vous appuyez sur R. Olaf, Berserker. Mais qu'est-ce qu'il fout là, Olaf? Non, sérieux, personne ne joue Olaf, parce que maintenant, il y a tellement mieux, en fait, en top. Non, c'est vrai. En plus, jungler, je sais plus si ça fonctionne, donc faudra tester. Mais ouais, Olaf le pauvre, il n'a plus sa place sur le champ de justice. Donc bon, je peux toujours vous dire comment ça se joue. Son ulti vous permet d'être invincible à tout crowd control et au dégâts, je crois. Pas sûr. Sinon, Olaf, ben, ça balance des haches, ça les récupère pour baisser le cooldown et ça fait ultra mal puisque ça fait des dégâts bruts. Soraka, enfant des étoiles. Soraka se joue en tant que support. La nouvelle Soraka est vraiment bonne. Elle est 10 fois, mais même pas 10 fois, elle est juste beaucoup plus agressive que l'ancienne. Et en plus de ça, ben, elle est très fiable. Elle peut silence, elle peut snare. En plus, elle heal, en plus, elle court vite quand une des alliés ont besoin de heal. Et par contre, son ulti reste inchangé, donc c'est encore plus cool. Voilà, Soraka est vraiment pas polyvalente, mais c'est vraiment un super support, quoi. Udyr, gardien des esprits. Udyr se joue en tant que jungler. Udyr, ce qui est bien, c'est quand c'est un TGV, donc vous favorisez un peu des items qui vous font courir un peu vite. Genre, comment dire, pas dans ce fantôme, mais un truc dans ce genre-là, vous voyez. Et vous appuyez sur E pour courir encore plus vite, pour attraper les gens, pour les stun. Et puis après, ben, c'est le festival des touches. Hein. Vous faites votre A de suite pour pouvoir poser un dot. Votre Z pour avoir un minimum de boucliers pour éviter certains dégâts. Et enfin, vous finissez par le R et puis vous recommencez. Hein, vous tapez votre clavier en mode blibliblibli. Et ça fonctionne très très bien. Urgot, fierté du bourreau. Qu'est-ce que fout Urgot ici? Je crois que c'est la rotation. Et regardez, on est les personnages que personne ne joue. Urgot se joue en tant que soit top. Hein, je l'ai vu et c'est vraiment bon. Vu que ça tanque un petit peu quand même, Urgot. Et sinon, en tant qu'AD Carry. Mais en tant qu'AD Carry, il se fait carrément biaiser, et pas baiser, attention, parce que, ben, eh ben, Urgot, ben, il n'a pas de portée. Voilà. Donc ça, c'est le petit souci, c'est que ses auto-attaques ne sont pas forcément très très bonnes. Mais ça reste toujours un personnage assez viable si on sait très très bien le jouer. Vayne, chasseur nocturne. Vayne se joue en tant qu'AD Carry, elle aussi. Et elle, par contre, ben, elle fait le café, hein. Y a pas à chier, quoi. Elle fait son taf, la petite Vayne. C'est-à-dire qu'elle pose des marques sur les gens, et au bout de la troisième, pouf, elle ignore tout... Enfin, pas toute l'armure. Elle en ignore carrément, et vous prenez limite des dégâts bruts dans la tronche. Donc voilà, Vayne en late game, ça arrache tout le monde. Même celui qui est le plus tanky. Vladimir, seigneur pourpre. Vladimir pour faire de la vaisselle. Non, je déconne, faut arrêter. Vladimir, en fait, se joue AP déjà, hein, c'est une bonne chose à savoir. Soit top, soit mid. Ce qui est bien avec Vladimir, c'est plus il a d'AP, plus il a de PV, et plus il a de PV, plus il a d'AP. Non, ça ne boucle pas, sinon ce serait complètement fumé. Vladimir est très cool. Déjà, il a une bonne escape, il a de quoi survivre avec ses sorts qui volent de la vie. Et voilà, Vladimir se joue bien. Shin Zhao, sénéchal de Demacia. Shin Zhao se joue en tant que top ou en tant que jungler. Shin Zhao est très fort parce que dès son niveau 1, grâce à sa passive, il a du vol de vie. Et ça, c'est quand même plus qu'apprécié. En plus, Shin Zhao est vraiment, vraiment, vraiment horrible, quoi. Il isole, enfin. Oui, il isole une cible avec son ulti et il lui fout le tarif, quoi. Le tarif enfant, le moins 25, le senior, tout dans la tronche. Mais c'est vraiment très violent, Shin Zhao, donc faites attention. Ziggs, expert des explosifs. Ziggs se joue en tant que mid. Et il est AP. Mais genre, quand je vous dis AP, c'est vraiment tous les items AP au monde. Même le Zhonya, même... tout, 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 tout. Il prend tout, Ziggs.
Et ce qui est bien avec Zig, c'est qu'il poke à mort. Mais quand je vous dis qu'il poke à mort, c'est il poke à mort. C'est il envoie son A, puis son A, puis son A, puis son A. Et puis même ses auto-attaques, elles sont fortes grâce à son passif. Donc franchement, Zig, il est affreux. Donc faites vraiment, vraiment attention. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti ça. Zilean, gardien du temps. Zilean a été refait. Et je ne sais pas comment il fonctionne. Je crois qu'il peut poser maintenant des bombes sur le sol. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, en soi, pour pouvoir, pas trap, mais, comment dire, pour pouvoir éviter que les gens vous suivent, tu sais, si les gens, ils ont vraiment trop peur d'une bombe, vous la posez sur le sol, au lieu de les viser, et au moins, vous pouvez survivre. Son ulti fonctionne pareil, sa célérité, là, le fait qu'il court plus vite, ça fonctionne pareil. Par contre, sur les ennemis, j'ai cru comprendre que ça arrêtait le temps, et donc qui restait figé. À voir, hein. Je dis ça parce que ben, je crois l'avoir vu. Et par contre, je sais pas si son Z fonctionne toujours. Je pense que si. Le fait qu'il puisse avoir du cooldown, hein, je parle. Voilà, voilà, c'était un peu plus long aujourd'hui, je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que j'ai pris du temps sur certains personnages que j'aime bien, ou que j'aime bien discuter dessus. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas le site, n'oubliez pas le TS surtout, parce qu'on y est énormément. Je vous fais des bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao!